Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être ma routine make-up. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je commence par me nettoyer le visage avec une eau micellaire et je mets ma crème hydratante, bon là je l'avais déjà fait avant la vidéo. Et ensuite je viens mettre un correcteur qui vient de chez Vichy, il est super bien, franchement je vous le conseille vraiment. Et je l'applique avec mon Beauty Blender. Maintenant je viens mettre de l'anti-cerne, donc celui-ci il vient de chez Bourjois. Il m'a été envoyé via Octoly, donc merci beaucoup à eux de me l'avoir envoyé. Avec cette anti-cerne, j'ai également eu le fond de teint. En fait, c'est le Always Fabulous. Je crois que c'est leur nouveau. Et si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous de moins 20%. C'est Always20. Je vous l'écris sur l'écran de toute façon. Donc voilà, si ça peut vous intéresser. Et je matifie le tout avec une poudre translucide qui vient de chez Primark. Et pour avoir un teint un petit peu plus bronzé, je mets cette poudre matifiante qui vient de chez NYX. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc là, j'utilise un tout nouveau crayon, ça fait à peine quelques jours que je l'utilise. Il vient de chez Primark, donc j'ai voulu tester parce que ben, les produits Primark c'est vraiment pas cher et je voulais voir si en plus c'était bien. Et franchement, il est vraiment pas mal parce qu'avant j'avais l'habitude d'utiliser celui de chez Benefit, mais il coûte une blinde. Donc bon, j'ai voulu essayer celui-là et franchement, question qualité-prix, il est vraiment pas mal. Ensuite, je mets du mascara et de l'highlighter. Ce jour-là, j'avais décidé de mettre du gloss. Donc d'ailleurs, celui-ci m'avait été envoyé via Octoly. Il est magnifique. C'est un MAC de la collection avec Aya Nakamura. Et franchement, gros coup de cœur. Depuis que je l'ai reçu, je fais que le mettre. Il est trop beau. Et j'ai hésité avec un autre rouge à lèvres parce que je mets tout le temps du rouge. Celui-ci, il vient de chez MAC également. Et c'est un Paint Lip Lacquer. En fait, c'est différent de ce que je mets d'habitude. Moi d'habitude je mets des mattes et ça en fait ça va donner un résultat beaucoup plus brillant. Ça peut paraître beaucoup plus frais et franchement c'est pas mal. Je fixe le tout avec une brume de chez MAC et voilà c'est fini. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça reste assez naturel, je trouve ça super sympa. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo, bye bye.